et c'est d'ailleurs aux commandes de ce triplon que Manfred van Richthofen va définitivement entrer dans l'histoire. Un certain 21 avril 1918, quand il va trouver la mort abattu par un pilote canadien du nom de Roy Brown. On a retrouvé l'épave et son corps quelques jours plus tard. Et puis le Nieuport 28 à côté, ici, là, je vous disais, un avion arrivé très tardivement. Il va d'abord servir au sein de l'AEF, l'American Expeditionary Force, autrement dit, les forces américaines en Europe qui ne pouvaient pas utiliser l'espace de 13 parce qu'il n'y avait pas assez de facteurs pour équiper ces avions pour tout le monde. Donc ils vont d'abord servir pour les Américains. Et puis les Français vont utiliser comme avion d'entraînement parce qu'il n'y avait pas de, plus d'armement adéquat. Et puis finalement, ils vont être remplacés par l'ESPAD 13 en août 1918. Beaucoup d'avions étaient encore conçus en se basant sur les ailes des oiseaux. Vous imaginez ça? Ben oui. Alors l'US Navy, ben oui, les Américains vont encore utiliser cet avion. Et ça va être un des premiers qui va décoller depuis les porte-avions. Et avant ça, même les croiseurs. Ben oui, depuis les tourelles de canons de croiseurs. Et ils vont être partis en vol. Et puis, depuis le temps, il y a souvent l'illustration de je pense à Eddie Rickenbacker. Ou bien également Quentin Roosevelt, le fils du président Theodore Roosevelt. Ils vont continuer à être utilisés après la guerre par les États-Unis, mais aussi en Suisse. Mais oui, la Suisse va utiliser ce Nieuport 28 jusque dans les années 30. Imaginez ça. Et puis dans un instant, eh bien son complice de toujours, avec ce Nieuport 28, moins connu que la Nieuport 11 et 17 déjà évoqué. Déjà, en quelques années à peine, entre les premières versions des Nieuports, les grands classiques, et puis celui-ci. Mais ça déjà, c'est une autre histoire. Alors évidemment, les biplans, voire triplans de cette époque, vénérable Trapanel, haute sur patte, des avions chez des talons aiguilles, il n'y avait rien de plus délicat à décoller et à tirer dans la d'aviation, mais des champs d'aviation, parce que tout simplement c'était littéralement des champs. Et donc on décollait et on se posait toujours face au vent. Et ici en 2019, nous avons une piste. Nous avons respecté le sens de la piste et regardé la manche aérienne, le vent est quasi complètement de travers. C'est la pire configuration que l'on puisse imaginer pour ce petit avion. Pas du tout conçu pour se poser comme ça. Bravo! Ah oui, c'est bon ça. Il fallait le faire, c'est cool. Évidemment. Nice. Oui. Beaucoup d'avions étaient encore conçus en se basant sur les ailes des oiseaux. Vous imaginez ça? Ben oui.